Hey, salut à tous et à tous, c'est Ekar et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on est là pour parler du King, du Master King. Il est là, il est beau, il est LeBron James. Voilà les gars, donc le King est arrivé sur Fortnite. Voilà, donc on voit donc le King est arrivé, LeBron James intègre la série icône de Fortnite. Donc on sait tout de suite que ça sera du coup un skin de série icône et qui va normalement coûter dans les alentours de 1200 V-Bucks à la sortie du coup de son skin qui sera là le 15 donc juillet de la boutique Fortnite française, le 14 au soir pour les Américains. Normalement, j'ai entendu dire qu'il va y avoir une cup pour essayer de le gagner gratuitement. Pour le moment, l'info reste encore une fois, c'est un leak potentiel, on n'en sait pas plus, mais normalement j'ai entendu dire qu'il va y avoir une cup pour l'avoir gratuitement. Ok, si je retrouve l'information, j'essaierai de vous la passer dans le fil d'actualité juste ici. Et donc voilà le petit trailer les gars, vous avez pu voir, il est vachement sympa. On a pu voir le petit skin en noir et doré. On a du coup aussi la petite variante qu'on peut voir donc sur l'image à droite, donc la variante avec le film, et à gauche une petite variante tenue tranquille et tout tranquillou. Ok, on peut voir aussi qu'ils vont faire une collab avec Nike parce que il va y avoir les chaussures donc du poteau, voilà, King James. Donc on peut voir donc à droite et au milieu, etc. Donc les trois types de paires de chaussures qu'il va y avoir en mise en avant. Donc voilà, donc en avant-première, les Fortnite, les Nike LeBron 19, donc que vous allez pouvoir sûrement acheter plus tard pour les fans de chaussures. Et je sais qu'il y en a pas mal, il y en a beaucoup qui adorent les chaussures. Donc franchement, peut-être pour vous une opportunité d'avoir quelque chose d'assez spécial. Alors, le style LeBron, donc élégant et imposant, donc on a la nouvelle tenue, vous allez pouvoir avec la couronne aussi, la couronne vachement belle gosse. La couronne qui peut aller donc sur pas mal de skins, mais qui va sûrement être buggée sur beaucoup parce que par exemple la tenue, je sais pas si la couronne est liée ou pas à la tenue, j'espère que oui, parce que si la couronne n'est pas liée et que c'est compté comme un accessoire de dos mais qui finalement se met sur la tête, ça va être un peu buggé avec les skins un peu oro ou autres qui ont déjà des couronnes, voyez-vous. Donc je sais pas, je pense qu'à mon avis c'est lié directement au skin puisque ils mettent en avant le skin avec du coup les deux petites variantes, donc une avec la petite veste, donc ici, enfin le pull en blanc et la veste en noir, donc vachement belle avec la couronne un petit peu rose et tout. Franchement ça fait pas bizarre le rose, ça fait justement bien, ça ressort. Donc je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime bien. Donc complétez votre style avec le pack d'équipement King James. Donc il contient la pioche, le lion, ok, le lion qui est interchangeable. Donc soit vous pouvez mettre de l'or, soit vous pouvez mettre comme ça. Vous allez voir plus tard, donc je vais descendre un peu en bas, vous allez voir qu'en fait le pourcentage d'or sur la pioche et le pourcentage d'or sur les ailes sont changeables comme vous le souhaitez, ok. Donc on a le planeur envergure et du coup aussi la célèbre danse victoire de LeBron, l'appel du silence, que j'ai et que je vais pouvoir du coup vous montrer. Ok, alors du coup comme je vous ai dit, le pourcentage d'or est réglable. Là on peut voir qu'il a des ailes complètement noires et vous allez pouvoir en fait dans la vidéo qu'il va pouvoir interchanger et faire un petit peu comme il veut. Donc je vous montre la vidéo directement. Et voilà, donc vous allez pu voir que c'est en
entièrement éditable. Franchement, moi je trouve que l'opportunité de le changer comme on le veut, un petit peu comme les skins samouraï avec le samouraï corrompu, si vous vous rappelez, où vous pouviez donc interchanger en rouge et en blanc, etc. le skin. Franchement, je trouve que c'est une belle opportunité et ça permet aussi pas mal de variantes ainsi que du coup des opportunités avec d'autres skins de soit mettre tout en noir, soit tout mettre en or, etc. etc. Franchement, pas mal. Ok, alors on peut voir aussi la nouvelle tenue qu'on a ici avec le film justement qui va sortir, donc Space Jam, nouvelle ère. Donc vous allez pouvoir le voir aussi au cinéma, etc. Donc il va y avoir ce skin là, donc cette personnalité, cette tenue là, d'accord. Avec du coup la nouvelle tenue, ok, donc Nike LeBron. Donc on peut voir, hein, c'est ça fait partie du partenariat Nike. Donc avec le petit sac à dos qui aussi, avec le petit sac à dos tacos, etc. Donc franchement sympathique. On a aussi un nouvel écran de chargement. Donc après, ça c'est pour ceux qui aiment bien. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont souvent des lags, etc. et qui choisissent justement bel et bien leur écran de chargement pour avoir quelque chose d'agréable quand au moins ça charge et que ça 40 ans, donc au moins voilà, si vous aimez bien, vous avez du coup l'opportunité de mettre ça, ok. Donc voilà, là on a l'image officielle avec les trois skins et on est bon. Donc les gars, je vais vous montrer en exclusivité donc la danse LeBron James, donc et après je vous reprends pour la fin de la vidéo. Et voilà les gars, du coup je vous ai tout montré, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a été informative, etc. Donc on peut voir que tous les objets de LeBron James donc seront bel et bien là, donc le jeudi 15 juillet à 2h du matin. Donc je vous ferai sûrement gagner le skin, donc soyez à l'affût, soyez là, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de mettre le code créateur Bukuni, ça nous aiderait énormément dans la boutique. Et sur ce les gars, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, parce que si je fais gagner quelque chose, ce sera sûrement sur Discord, donc voilà, le lien dans la description. Et sur ce les gars, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Sur ce, ciao, c'était Icar. A plus.